Bon bah salut tout le monde, il est 7h30 du matin. Nickel. Non bah suite à la vidéo journée chez LCRFR, et ben voici l'épisode 2, bon visionnage. Alors non, pas bon visionnage parce que avant il faut que je vous parle d'un truc. Cette vidéo est sponsorisée par Hunter Forest, merci à eux. Bon, ok, je suis un peu le malin, je l'avoue. Par contre, vu que la qualité audio de mon iPhone elle a décidé à se faire la merde, du coup j'en profite pour faire une voix off au montage et je vais mettre des screenshots vidéo parce que j'en ai pas encore mis. Et du coup, il faut que je les mette. Moi, du coup, je vous les mets maintenant. Render Forest, du coup, c'est un site web qui vous permettra de créer des intros et outros pour vos vidéos. Alors, il faut savoir que Render Forest, ça fait 3 ans personnellement que j'utilise ce site web pour faire mon intro de chaîne YouTube qui fonctionne très très bien. Il y a pas mal de personnes à qui elles plaisent, et franchement, bah, j'ai juste envie de vous dire merci Render Forest de pouvoir nous permettre de faire ce genre de vidéo là parce que en vrai. C'est grave bien, c'est simple à prendre en main, c'est pas compliqué. Vous arrivez sur le site, vous vous connectez, vous créez un compte et ensuite vous pouvez faire votre vidéo en quelques clics et ensuite c'est terminé. Franchement, ça j'adore, c'est super beau. Alors, par contre, le seul défaut que je pourrais reprocher, c'est enfin, défaut, le point positif de Render Forest, c'est que vous pouvez utiliser leur site web en fonction de. Vous pouvez payer un abonnement en fait au niveau de la qualité. Si vous voulez une vidéo qui soit de très bonne qualité, en qualité élevée, sans filigrane, vous pouvez payer, je crois que le maximum des abonnements c'est 24,99€. Je vous mets le screenshot des tarifs actuellement. Et entre temps, vous avez des abonnements qui sont moins chers. Voilà, un premier abonnement c'est 4,99€, je crois. Après, ça monte à 12,99€, je crois. Et après, le dernier à 24,99€. Donc voilà, c'est à peu près des forfaits téléphoniques qui vous proposent. À la place d'un forfait de téléphone, vous avez la possibilité d'exporter vos vidéos de très bonne qualité. Donc voilà pour ce site, pour cette partie-là. Render Forest fait également la conception de conception graphique et également de la conception de site web. Alors j'avais testé le service de conception de site web et de logo il y a de ça quelques temps et franchement, pour vous dire, c'est vachement nickel, j'adore, je recommande. Donc voilà, franchement, si vous cherchez un site web qui vous intéresse pour créer vos intros, et ben je vous mets le lien de Render Forest en description. Alors pour cette vidéo, ils m'ont pas donné de code promo. Si vous voulez un code promo, bah dites-le en commentaire, comme ça j'essaierai de voir avec eux si ils sont chauds pour vous donner un code promo. En tout cas, voilà, merci à eux de me faire confiance et puis je vous souhaite avec le reste de la vidéo. Alors j'en profite pendant que je fais une voix off, PS, la qualité est absolument pourrie, c'est pas grave, on fait avec, c'est filmé à l'iPhone, j'avais que ça sous la main. Voilà, bon bah je vous laisse et puis bonne vidéo. Le lien Render Forest est dans la description, n'oubliez pas. Donc je vous remercie Render Forest de me permettre de me faire confiance à travers mes vidéos. Et moi je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez. Pourquoi j'ai fait ça? Faut je suis bête. Il faut que je fasse ça. Ok, première étape de la journée. Allez, on court. Il pleut un peu quand même. Il pleut un peu. Ouais, il pleut. Il pleut beaucoup même. Non, je rigole. Il pleut pas beaucoup. Par contre, le bus il est à 8h10. Et j'espère que je vais pas le louper. Il est 8h. Soit ça devrait aller. Bon, et eh bien, première et mauvaise nouvelle de la journée. Je viens de louper mon bus. Voilà, donc du coup, je dois me taper le chemin à pied. Donc c'est pour ça que je suis en train de marcher, que la caméra elle tremble de partout. Parce que je sais pas tenir un putain d'iPhone. Et en plus, je sais même plus comment on va. Alors, non, c'est par là parce que j'ai un truc à vous montrer. Alors tout à l'heure j'étais parti voir le panneau pour quand est-ce que passe le prochain bus. Et là il y a marqué vendredi 28 tournage, donc le bus ne passera pas à 2 arrêts. Génial! Donc moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont tourner et tout, il n'y a rien à tourner ici. Tu vois, je me suis posé la question. Et c'est bizarre, je me suis dit c'est chelou, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir tourner. Donc là je vais regarder.
Enfin, je vais marcher, je vais regarder en même temps que vous. Et puis on va voir. Est-ce que vous avez déjà eu une sensation un petit peu rageante? Si vous voyez ce que je veux dire. C'est, en gros, vous avez un bus à prendre. Vous avez raté votre bus, d'accord? Et vous voyez dans l'autre sens, il y a le bus, mais dans l'autre sens. Est-ce que c'est pas rageant? Ah, si, un peu. Hein. Un peu rageant. Tu es ma journée! Donc voilà, ça y est, me voilà arrivé. Quelques mètres. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 26 mai. Et il y avait justement un live que je dois faire. Là, il est actuellement 14h. Le live commence dans une demi-heure. J'ai faim, j'ai pas mangé. Je suis pas prêt. Et en plus, j'ai très chaud. J'ai faim, c'est chiant. Je veux pas. Ok. Donc ouais. Ça va. C'est les clés hein, officiellement. Et voilà. Clé de la propriété LCRFR, merci. Oh, coucou ma beauté. C'est ouf. Même avec son nouveau portail et son nouveau mur, c'est incroyable comment elle est magnifique. Et du coup, dans l'épisode 1, ouais, j'avais bien passé le Karcher ici, en bas, on verra parce qu'il y a le mur, et autour de la porte. J'ai fait un peu. Voilà. Et pour ceux qui se demandent, les traces que vous voyez sur les volets, non, c'est du dégrippant, c'est pas de l'eau, c'est du dégrippant. Parce que ces volets ont une grande particularité, c'est qu'ils couinent. Quelle clé vous choisissez? Allez, répondez en commentaire. Vous voulez la réponse? Aucune, parce que c'est ouvert. Non, je rigole. Bon, c'était ouvert, mais ne gère rien. En général, c'est fermé. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas la clé de là-bas. Moi, j'ai la clé du garage. Donc, je vais vite aller poser mes affaires dans le garage. Voilà. Comment rentrer chez LCRFR? Bah, vous prenez la clé du garage. Vous la mettez. Les gens vont tourner à droite. Sauf que ça marche pas. Il faut tourner à gauche. C'est très important. C'est fou. Vous tournez. Vous prenez. Ouais, bon, du coup, le vélo, ouais, il manque une roue à l'avant, c'est normal, c'est tout à fait normal, en fait, c'est... Voilà, je vous explique après. Oh, maman! Putain, je suis con. J'enlève mon manteau, vous allez rien voir. Je l'ai fait! Je suis arrivé! Juste pour vous dire, hein, juste comme ça, ça a l'air de rien ce que j'ai fait. J'ai terminé ma journée, écoutez bien, à 12h30. Hein. 12h30, j'étais censé avoir terminé. Je suis sorti de mon lycée. J'avais terminé à 8h30. À 12h30, pardon. J'ai dû attendre le bus, le premier bus, jusqu'à 13h08. Et le deuxième bus, et je l'ai loupé parce que ces connards, pardon, ces deux bus là, à chaque fois, normalement, il y a une minute d'intervalle. Donc c'est-à-dire que t'as une minute pour choper l'autre bus, sinon t'es dans la merde. Bizarrement, ça fait deux fois que je le loupe. Bon, c'est pas grave. Le masque, faut le jeter, très important, puisqu'il a été utilisé. Et pour toi, t'as pas branché ton iPhone portatif Bluetooth alors ouais, que t'as normal, que 5%. Dépêche-toi de mécharger ou tu vas perdre tout ton Apple iPhone 6S 32Go iOS 14.5. Voilà, moi, je vais manger, pisser, boire, me restaurer parce que j'ai faim. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le live. Ah bah, ouais, du coup, pour le live, parce que vous l'aurez déjà vu le live. Et voilà, c'est normal. Ok, vas-y, à tout à l'heure. Bon, avant d'aller manger, on va aller ouvrir là-haut. Coucou de toi. C'est une mue, hein. C'est pas une araignée, c'est une mue. Et donc là, bienvenue chez ma grand-mère.
Donc voilà, c'est quand même assez grand. La maison est grande. Et là, du coup, pour résumer, vous avez une magnifique photo de moi quand j'étais gosse. Non, je déconne. C'est vrai. Et en gros, en fait, donc ça, c'est de la cuisine, en fait. Et ça, c'est mon arrière-grand-père qui l'a fait. Il n'a pas installé cette vitre-là. C'était une vitre d'époque, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une partie comme ça qui était coupée au milieu et un battant comme ça qu'on pouvait ouvrir. Là, c'est du double vitrage. Ça a été installé avant que je naisse. Parce que moi, je n'ai pas connu, en fait, ça. ça a été fait bien récemment. Et voilà. Donc, il avait trouvé l'évier énorme. Et tous les placards comme ça, là, les tiroirs et tout, les moindres détails, jusqu'au moindre détail, c'est lui qui l'a fait. Bon, alors, ok, à certains endroits, ça a un peu vécu, du coup, ça part en vrille. Il y a des portes qui sont pas très très droites. Mais voilà, ça tient toujours. Bon, allez, on va ouvrir un volet là-bas. C'est vraiment pour dire qu'on est là, quoi. Il n'y a pas personne dans la baraque. Hein. C'est vraiment pour dire qu'on est là. Et qu'est-ce qu'on a? On a la rue. Et ça va faire putain de courant vert. On est là. Donc voilà. Et ça, c'est une partie que je vous ai pas trop montré, parce que normalement que je devrais pas trop vous montrer, parce que c'est un peu un truc perso. Mais bon, vu qu'il y avait personne, et il y a personne aujourd'hui. Parce que, ah oui, celui-là, il est bloqué. Parce qu'il faut savoir que, théoriquement, la maison est à mon arrière-grand-mère qui a Alzheimer. Et du coup, c'est ma grand-mère qui s'occupe d'elle. Et du coup, pour la petite histoire, vu qu'aujourd'hui, putain, il y a l'autre bus, qui, je vous jure. Et parce qu'en fait, le bus, il passe juste devant la maison. Du coup, je le vois et je vous assure, c'est pas une blague, il vient de passer devant mes yeux. Voilà, c'est juste pour vous dire, hein, que j'ai la rage. Mais bon, hein, c'est pas grave. Non. Donc voilà. J'ai perdu les clés. Where is my keys? Ah! C'est ici. Bon, le reste, je vais laisser fermer. Au pire, on réouvrira tout à l'heure. Hein. Ou au pire, c'est mon arrière-grand-mère qui le fera. Je ferme, très important. C'est pas la bonne clé. C'est quoi la clé? C'est celle-là. Oh, regardez le petit chat. Salut! Ouais, il court, regardez comment il court! Et d'ailleurs, le même chat que vous venez voir passer, eh ben, il était resté enfermé dans le garage. Ouais, ça c'est une anecdote. Bah, j'en parlerai dans le live, tiens. Ça fera des anecdotes en plus. Sur ce, je vais aller manger parce que j'ai faim et j'ai beaucoup envie de pisser parce que... Ouais, la séquence que je viens de faire là, je vais juste de la faire en fait. J'ai pas eu le temps de faire ce que j'ai dit avant. Donc, bah, à tout à l'heure. Hey, il y a McDo qui m'attend en plus, c'est nickel ça. Alors du coup, pour les personnes qui se demandent si j'avais la clé de cette porte là, non, je l'ai pas sur ce trousseau, c'est ma grand-mère qui l'a. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû faire le tour. Mais par contre, ça tient très bien les clés. Mais là, du coup, la personne ne peut plus rentrer. Je vais les enlever. Et voilà. Ça a l'air d'être bien. Du sucre, toujours plus de sucre. Ah. J'aurai le quota.
Oui, je sais, il est 15h10, je prends un café. Mais je viens de terminer le live, du coup, pour voir quel est le micro, quel est le PC. Parce que je viens de terminer le live que j'ai fait sur la chaîne, donc si vous voulez revoir le replay, ben vous allez sur la chaîne, vous tapez, quand vous recherchez le live du 26/03/2021 et vous allez tomber sur la rediffusion. Alors, je sais que je mange des frites McDo réchauffées au four avec du Pepsi et une glace Häagen-Dazs. Ce n'est pas sponsorisé pour autant, aussi bien que dans le live, aussi bien que ça dans cette vidéo. Voilà, on a parlé quand même, j'ai parlé quand même de sujets que je trouvais intéressants et j'ai surtout fait une mise au point concernant la vidéo que j'avais faite du 23 sur c'était un coup de gueule en fait sur la rumeur des repainted FM. Voilà, je peux en parler dans cette vidéo puisque j'en ai parlé directement en live, donc allez voir le live si ça vous intéresse. En attendant, je prends le café parce que c'est important, du café avant de travailler. Bon, alors on va sortir ça. On va sortir la petite gonflette parce que j'en aurais besoin tout à l'heure quand quelqu'un viendra pour gonfler les pneus. Aujourd'hui, on va le mettre en route. Alors, je vais enlever le casque-roi parce que ça frottait dessus. Voilà, faudra que je vois. Mais bref, il y a du jus qui arrive. C'est très bien. On enlève ça d'ici. Et il faut brancher ça. Alors, comment ça se branche? Comme ça. Alors, le truc que j'ai fait, alors je vais le dire avant de le mettre en route parce que ça va faire du bruit. Avant, j'avais fabriqué un petit chariot. Alors, attendez, je vais remettre le flash. Du coup, on verra mieux. Alors, en fait, cette planche-là en bois, c'était une planche que j'avais fabriquée pour faire un chariot, une espèce de chariot roulant à trois roues. Je sais que c'est pas vraiment terrible. J'ai pu l'adapter sur mon compresseur. Du coup, mon compresseur maintenant il est totalement mobile. Le seul problème c'est qu'il est penché, c'est tout. Voilà. Mais en aucun cas ça fait des problèmes. On va le mettre en route. Alors, je vous rassure, il y a des fois il fait des bruits un peu bizarres quand même. On se demande plus qu'il fait comme bruit. Bon, bah, je vais le laisser tourner et puis voilà. Bon, j'ai une batterie qui est quasi chargée. Je crois qu'elle est totalement chargée. Ou peut-être décharger un petit peu, ça va faire. Et on va aller couper le jardin. C'est là que je me dis quand même que un support d'iPhone de tête ça pourrait être bien. Voilà. Faut que je le tonde le jardin. Mais au moins on va faire les bordures du passage. Ça pourrait être pas mal. Je vais vous poser là-bas. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez mieux que la vidéo du Karcher parce que ça me foutrait les boules quand même. Thank you.
Bon voilà, j'ai pu retirer ça. Alors ça n'a pas filmé le moment où je coupais avec la machine. Un bug. Et voilà. Donc là du coup c'est l'avant de la maison. Donc là c'est ce qu'on a fait avec ma grand-mère pendant les vacances dernières. Donc de avril. Et ensuite, donc à partir de là, donc toute la partie qui est ici, c'est la partie qu'on n'a pas faite et qu'on va refaire comme là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on retire toutes les mauvaises herbes. Là on a du lierre, donc ouais, c'est un peu artistique, hein, comme c'est un peu artistique ce que fait la nature. Bon, à part que là ça nous gêne et que ça bouffe le rosier qui est juste ici, parce que oui, ça c'est un rosier, hein, pour ceux qui se demandent, un rosier, ça, l'hortensia, pardon, c'est pas un rosier, c'est un hortensia, ça nous bouffe l'hortensia qui est là, parce que je vais pas réussir à vous montrer, mais avec la caméra, mais en gros, alors le lierre, il s'est propagé à une vitesse incroyable, donc ça part, en fait, ça fait tout le long de la maison, en fait, si vous voulez. Ça repart de ici, ça fait tout le long comme ça, tuc, 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 et ça repart sur le mur directement. D'ailleurs, on voit, il y a une petite branche ici. Il a commencé, vous voyez, il a continué sa route comme ça, là, tout le long du mur. Il a remonté et il a même attaqué la racine ici. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, il y a du lierre. On n'a pas réussi à enlever. Mais voilà, de toute façon, on ne pourra pas le rattraper. On pourra pas mieux le rattraper. Et puis, de toute façon, il est cramé. Mais voilà. Et du coup, vu que j'ai donné un bon coup de karcher sur la maison, et ben ça rend quand même vachement plus propre. Hein, parce que quand vous regardez au milieu, à côté de la lampe, juste là, ouais, c'est sale. Hein. Alors pour rappel, la maison elle a 40 piges et en 40 piges c'est son premier lavage, hein, donc voilà. Parce que ça c'est du creepy, hein. On peut le voir juste ici, hein. C'est du creepy et normalement le creepy c'est pas censé être lavé, c'est pas censé recevoir de choc de karcher parce que ça risque de le faire partir tout simplement. Mais là bon, je t'ai occupé et donc du coup. Qu'est-ce que j'ai quand même essayé, ça part pas, mais ça enlève la saleté, donc c'est plutôt bien. Par contre, le problème maintenant, c'est que j'ai fait de ce côté-là, mais par contre de l'autre côté, juste ici. Donc, vous pouvez voir le haut de la maison là qui commence à être clairement sale. Le problème, c'est que si je le fais, il y a possibilité qu'il y ait de l'eau, donc l'eau du karcher. Possibilité que ça rentre dans le garage, parce que le garage, la porte, il y a un joint dessus, mais le joint il est complètement à chier. Donc joint à chier, eau très forte avec haute pression, je suis pas sûr que ça fasse un bon ménage tout ça. Donc peut-être éventuellement là ce que je devrais faire c'est le rattraper à la main, mais je vous raconte pas. Parce qu'il y a l'évacuation qui est par terre, là, juste ici, vous pouvez voir. Mais je pense pas que ça va faire grand chose. D'ailleurs, il faut que je la nettoie l'évacuation parce qu'elle est crado. Voilà. Donc, ouais, la maison ici, cette maison-là, a beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Et comme un minimum toutes les maisons. Donc là, on a un grand buisson. Et ici, c'est un okuba pourri qui fait du poison. Donc là, ici, c'est encore un petit hortensia qui part pas. Tout ça, c'est de la mauvaise herbe. Et entre temps, il y a des fraises. Genre ça, là. Ça, c'est des feuilles de fraises. Ça aussi, c'est des feuilles de fraises. Qui sont bien plus grandes. Et en mélange de tout ça, vous avez des magnifiques bulbes juste ici. Qui sont des bulbes d'iris. Donc ça. Les fleurs violettes. Et donc ça. Bon, pas maintenant parce que maintenant c'est trop tard, hein, mais le printemps prochain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout bêcher comme j'ai l'habitude, comme je l'ai fait pendant ces dernières vacances. Je vais tout bêcher, tout fourcher, tout retravailler
je vais enlever toutes les iris et je vais les ranger à côté du garage là où j'ai déjà fait quelques plantations. Comme ça ce sera plus esthétique, et puis comme ma grand-mère elle a horreur de ça. Ah bah ça tombe bien, je crois qu'il y a la bagnole qui est arrivée. Autant pour moi c'est une erreur. Donc voilà. Donc Parkside, ouais, pour moi. C'est Parkside, c'est pas sponsorisé mais c'est bien. Voilà. Et ouais, là-dedans on a quand même du bordel à non plus finir. Donc pour ceux qui se demandent, hein, tout ça c'est pas mon bordel à moi. Hein. Il y a un mélange en gros, c'est un mélange de toute la famille qui met du bordel dans le garage. Et donc pour les personnes qui se demandent, je sais pas si vous, pour ceux qui ont suivi ce que je raconte pendant les lives, j'ai envie de faire un projet mécanique sur la chaîne. C'est-à-dire travailler sur une voiture. Alors pas mécanique comme j'ai fait sur le VTT, ça, non, ça c'était de la merde. Mais je compte vraiment faire entre guillemets un stage mécanique, enfin un projet mécanique dans lequel on a une voiture qui ne fonctionne pas, qui ne tourne quasiment plus, qui est quasiment morte en fait, et qu'on essaye de la rendre roulante. Ou au pire je prends une voiture qui est déjà roulante, et il faudra juste lui faire passer un petit contrôle technique, et puis comme ça ce sera bien. Bon, et ben voilà, on termine la journée avec un petit jeu des familles, le petit Driving Force GT, une petite partie. Rien de meilleur pour terminer la journée. Et voilà. Bon bah écoutez, je sais qu'il y a certains moments qui sont coupés dans cette vidéo. C'est parce que voilà, le téléphone malheureusement a sonné. Il y a pas mal de bugs qu'il y a eu, parce qu'il y a un moment où je coupais l'herbe, bon, ça on s'en fout. Mais ça n'a pas filmé, l'enregistrement a mal tourné. Et il y a des moments où ça coupe tout simplement parce que voilà, il y a des bugs, etc. Mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si vous voulez des détails, etc. ou dès que vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Il y a une adresse mail qui se situe dans la section à propos de la chaîne. Vous pouvez me poser vos questions directement. En tout cas, très importante. Ou sinon, il reste toujours la messagerie Instagram qui est disponible. L'Instagram est dans la description si vous le cherchez. Ou vous pouvez venir aussi sur Discord. Parce que c'est vrai que Discord, j'y pense pas, mais je le mets directement dans la description de chaque vidéo. Vous pouvez le mettre, vous pouvez aller sur Discord, et puis dès que je vois votre message, je vous réponds, parce que j'ai pas les notifications sur Discord. Ouais, je sais, c'est un peu dérangeant, pas trop. Bref, du coup, quand je vois votre message, je vous répondrai, et puis voilà, comme ça vous serez tranquille. Et puis voilà. Et si vous voulez une partie 3, abonnez-vous. C'est faux, mais abonnez-vous quand même. Voilà, je pense pas que je ferai une partie 3, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'une de mes journées. Donc voilà. Bon bah moi je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.